Give me the cure that the doctor got. Give me a cure that will stick. Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'année production et aujourd'hui nous allons parler de... Mais dégage de là, tu vas foirer la vidéo. Voilà, bonjour à tous, désolé pour ce petit problème de conscience, on va régler ça plus tard. Tu parles, ça fait 25 ans que tu vis avec la même conscience et t'as jamais été foutu de t'en débarrasser. Je vous explique, en fait j'ai réussi à créer une machine qui permet aux consciences de se matérialiser. C'est un concept génial, un procédé super simple à mettre en route. Hein, il vous suffit pour ça d'avoir un convecteur de conscience. C'est très facile à fabriquer. Je vous donnerai peut-être les plans prochainement. Oh là là, que c'est beau de rêver d'être un génie. Alors voilà, donc, cette petite vidéo a pour but de vous informer car on a eu pas mal de petits changements et de petits problèmes sur notre chaîne dernièrement, ainsi que sur notre page. Encore une fois, je suis désolé de te couper en plein monologue, mais des problèmes, pas que ça. On a reçu beaucoup de messages il y a environ 3 semaines pour nous dire que nos nouvelles vidéos étaient en ligne sur YouTube et que c'était bizarre qu'on n'ait pas fait d'annonce sur notre page. Normal, il est complètement débile. Donc si vous faites partie de ceux qui ont vu les nouveaux épisodes, merci de ne pas les avoir partagés. Et toi, va apprendre à parler. Et merci également pour vos avis également et pour nous avoir informé que ces vidéos étaient en ligne. Ce n'était pas prévu. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons été piratés. Donc on a eu quelques problèmes. Oui, mais ça mec, tu l'as déjà dit. Ensuite, je suis désolé mon enfant, mais quand on est nul, c'est pour la vie. Le problème est réglé, je vous rassure, hein, y a pas de souci là-dessus, tout va bien. Tu sais, c'est ce que les gens disent quand tout va mal. Voilà, maintenant je vais répondre à quelques petites questions qu'on a reçues sur notre page Facebook. À savoir déjà premièrement, où en sont les MacGamers? Est-ce que j'ai arrêté parce que j'en avais marre ou est-ce que MacGamer va revenir? Alors la réponse à la question est oui, malgré le peu de vues que font les vidéos. Ah, tu l'as dit, Buffy. MacGamer reviendra parce que ça me plaît, parce que j'adore faire ça. Le problème c'est qu'en ce moment je n'ai pas vraiment le temps de m'en occuper pour plusieurs raisons. Premièrement, comme vous savez, bon, on a la série Samuel Fracta qui est en tournage, qui est en préparation en ce moment. Et de l'autre côté, il y a la famille, il y a le travail. Le travail? Sérieusement? Toi, mec, le travail. Je te rappelle que t'es au chômage, mec. Oups, fallait pas le dire. Je ne peux pas tout faire en même temps. Comme le projet principal était notre série, j'ai préféré privilégier la série plutôt que MacGamer. Pour ce qui est de MacGamer, je suis en train d'en écrire un. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera tourné, malheureusement, parce qu'il faut que j'en trouve le temps et il faut que je trouve le temps de le terminer également. J'espère en avoir le temps. Et c'est là qu'intervient le légendaire blanc de MacGamer qui va tout prix faire des improvisations alors qu'il ne sait pas en faire. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il y a pas mal de changements qui sont prévus. Tout d'abord, je tiens à vous annoncer que notre chaîne ainsi que la chaîne de Friend Film Production, donc Eden Production Île-de-France, vont fusionner en une seule chaîne. Toutes les vidéos de sa chaîne, donc de la chaîne d'Étienne Leroux, vont venir sur notre chaîne pour que tout se retrouve à un seul endroit. Pourquoi faire ça? Alors parce que sur notre page, on est deux à partager nos vidéos, donc Eden Prod et Eden Prod Île-de-France. Et le problème, c'est qu'on a reçu pas mal de messages disant « Ouais, c'est bizarre, vous avez plusieurs vidéos et tout ça, mais vous avez deux chaînes. Pourquoi ?» Moi, je dirais que c'est pour emmerder les gens. Et pour répondre à cette question justement de pourquoi deux chaînes, c'est parce qu'à la base, Étienne Leroux ne faisait pas partie d'Eden Production. Il a rejoint Eden Production à peu près un an et demi ou deux ans après la création de sa chaîne. Ce qui fait qu'ensuite, il s'est rappelé Eden Production et a gardé sa chaîne. L'idée étant de tout rassembler sur une seule et même chaîne pour que vous ne soyez pas perdus. Vous aurez donc Brother Devers, vous aurez Modern Times, vous aurez Somnium Fracta sur la même chaîne. Sachant que ces séries sont des séries parallèles avec des histoires qui s'entremêlent. Hein, d'accord? Je tiens à préciser quand même, il n'y a pas de souci là-dessus, faut pas flipper pour ça. Voilà, pour ce qui est des MacGamers, ça va revenir. Je suis en train de préparer la post-production pour le troisième épisode de la série qui sortira en février. Le premier épisode sortira le 15 décembre officiellement. Le 15 décembre, s'il est en ligne, c'est moi. S'il est en ligne avant, ce n'est pas moi. Sachez également, pour les personnes qui sont dans le Nord-Pas-de-Calais, qu'on essaye de négocier pour diffuser notre premier épisode et faire un petit événement à l'avant-première du film Assassin's Creed qui sort au cinéma donc le 21 décembre. Et il faut que t'arrêtes de rêver parce que ça n'arrivera sûrement pas, vu que t'as pas de bol. J'espère que la réponse sera positive, ce serait vraiment énorme, mais énorme.
Sachez également qu'un petit bonus vidéo arrivera dans la prochaine semaine et que le 5 novembre sortira un nouvel épisode d'Assassin's Creed Modern Times, donc la série d'Étienne. Si vous voulez vous mettre à jour et voir les épisodes d'Étienne, vous cliquez là. Vous serez donc relié directement à l'épisode 0, donc le prologue, et vous pourrez voir les autres épisodes. Ne vous fiez pas au premier épisode hein, qui est assez bâclé, c'est normal, il a débuté comme tout le monde, nous aussi nos premières vidéos étaient bâclées. Psst, par contre, si jamais vous voulez revoir nos premières vidéos, c'est par là que ça se passe. Hein, ok, cool. Voilà chers amis, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas paru inutile, car on espérait vraiment répondre à vos questions. Rassure-toi mon pote, elles peuvent pas être plus inutiles que toi. Voilà. Donc écoutez mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous le 5 novembre si je ne m'abuse pour le nouvel épisode de Assassin's Creed Modern Times, la série d'Étienne. Et peut-être la semaine prochaine pour un nouveau bloopers des tournages de notre saison 2. Mec, il faut que tu comprennes que ça, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Laisse tomber. Tout le monde s'en fout. Laisse tomber les bloopers. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en dégarasse. Tout le monde s'en fout. Voilà, on se tient au courant. Merci beaucoup. Gros bisous à vous. Et n'oubliez pas, rien n'est vrai. Tout est permis, même les capuches, où tu vois que dalle. Allez, à bientôt. C'est vraiment pas permis d'être aussi con. Curtain rose, the scene was set, they danced a murderous duet, and much deserving blood was let up to the scene wherein they disagreed on who should live and who should bleed, and Maxwell Rothy then received a very bad review. N'hésitez pas à partager nos vidéos, à vous abonner à notre chaîne pour voir la suite de la série et puis les épisodes qu'on a fait avant. Partagez les vidéos si vous avez apprécié, ça vous fera toujours plaisir à nous quoi. Et puis surtout quoi, je t'avais prévenu de ne pas te mettre devant la vidéo.